Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et là on va d'abord partir aux chevaux. Mais avant j'ai ces petits colis Vinted à aller poster. Enfin c'est pas du tout la poste mais à les déposer. Parce que si vous me suivez pas sur Instagram, allez-y parce que de temps en temps je vends des petits tapis ou des petits trucs comme ça. Donc là d'ailleurs c'est deux tapis qui vont partir. Et voilà, c'est souvent là-bas que ça se passe. Si vous voulez checker certains articles que je vends, faut aller sur Instagram. D'ailleurs, je vous le dis ici, mais il me reste une sangle courte en mouton, taille 60, à vendre 60 euros. Voilà, si jamais vous êtes intéressé, écrivez-moi sur Instagram ou dans les commentaires et on verra ça. Je suis en train de faire mon bise via YouTube, c'est génial. Allez, c'est parti! Bon, je viens d'arriver au pré, du coup j'ai déposé un colis Vinted parce que le second, le point relais était fermé. Sinon, regardez ce que j'ai commandé chez Orz. D'ailleurs, c'est la même sangle que je vends parce que je l'avais commandée en trop petite pour Saphir. C'est une sangle comme ça, donc une sangle courte, mouton noir. C'est exactement la même qui est neuve, enfin je l'ai mise une fois mais elle est neuve. Et du coup c'est une taille 60 et Saphir fait une taille 70. J'avais essayé de prendre une taille en dessous pour voir. Et non, et du coup voilà. J'ai aussi repris deux longes et un mousqueton. Voilà, c'était pas des achats de folie. Hein. Bon bref, du coup là en arrivant, je vais aller chercher Quantum parce que je vais lui faire ses soins. Et il faut que je vous montre encore autre chose. Il y a du vent, mais grâce à la petite moumoute sur l'appareil photo, vous devez pas trop entendre. Pourtant moi je suis en train de décoller limite. Comment ça va Minouche? Ah oh, oui, ça va bien. Est-ce qu'on irait pas en balade? Hein? Est-ce qu'on irait pas se faire une petite balade, tous les deux? Hein? Ça va être bien! Ça va être bien! T'as l'air de si bonne humeur, en plus c'est cool. C'est pas tous les jours, alors c'est cool. Je caresse, alors il se barre. Bon, sinon, faut que je vous raconte sur cette petite chose. Donc ça, c'est l'autre blessure que vous avez vue il y a quelques semaines, là. Donc elle est très jolie, hein, c'est très bien refermé. Je suis très très contente du produit que je mets, je vous en parlerai après. Par contre, il s'en est fait une autre, ici. Et voilà, ça me gonfle, ça me gonfle. Du coup, j'ai décidé de fermer le pré de derrière, parce que ça a commencé... quand on a ouvert le pré de derrière, donc dans ma logique c'est là-bas que ça se passe, alors que peut-être pas du tout. Du coup j'ai fermé ce pré là, j'ai ouvert le pré d'à côté pour qu'ils aient un petit peu plus de place, et voilà, et du coup je vais investir dans une caméra, enfin je vais pas investir, on va m'envoyer une caméra, je vous en parlerai quand ça sera bon, dans l'espoir de savoir comment il se fait ça, parce qu'il se loupe pas. Alors encore une fois j'ai contacté la veto etc, j'ai la même chose à faire, mettre de la crème cicatrisante, enfin faire exactement ce que je fais sur l'autre plaie. Mais une fois que l'autre plaie va bien, maintenant il se fait ça quoi. Et je vous avoue, quand je l'ai trouvé, quand il y avait la peau qui pendait là, c'était pas foufou hein. Et ça me fait péter un câble parce que encore une fois j'ai refait le tour du pré de A à Z et je n'ai rien trouvé. Donc voilà, fermer l'accès n'est pas une solution, mais en attendant d'avoir la caméra et de potentiellement voir comment il se fait ça, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Ah, il faut savoir que Saphir et le mâle là-bas, je vous en ai parlé dans la vidéo la dernière fois. C'est toujours un combat de testostérone là. Allez les garçons, au lieu de chamailler là, on avance. Oh là là. Allez. Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut y aller? Allez. Allez. Saphir, fais quelque chose, aide-moi. Merci. Alors, ça c'est ma meilleure amie du moment. La trousse à pharmacie.
Donc voilà à quoi ça ressemble après le nettoyage. Donc là c'est bien propre et du coup bah, je vais badigeonner de la crème magique. Franchement je l'appelle la crème magique parce que c'est une crème que je connaissais pas de base. C'est la Picri Balm. Je vais vous la montrer. Bah, vous la connaissez, je vous l'ai déjà montré dans la dernière vidéo quand je suis allée la chercher à la pharmacie. C'est celle-là et celle-là elle est vraiment magique. Je vais vous l'ouvrir. Si j'arrive à l'ouvrir à une main, on est bon. C'est comme ça. Dedans, il y a du miel et tout. Miel, aloe vera et elle est géniale. Vraiment, elle est trop bien. Ça y est, les soins sont finis pour lui. Donc, il en a eu ici de cette crème. Et bien évidemment, là, je lui ai refait ce petit pion là. Toujours pour pas que les poils et les crins ne viennent ici. Et puis, on va relâcher le fauve. Il va avoir droit à une petite pomme. Et c'est tout pour toi. Allez, ça, poubelle, ça, c'est là pour pas que les rats me bouffent tout. Tac, ringer, hop, une petite pomme. Tac. Croque la moitié, voilà. Vamos. Allez Milou. On y va. Bah je viens de me rendre compte que j'ai oublié mes bottes. Bon bah je vais monter en boots qui pue. Saphir, s'il te plaît. Voilà. Merci. Très bien. Ah, j'avais pas vu celle-là. Oh, c'est trop bien, il n'y a personne. Pourtant, on est mercredi. Hein. Oreo, on va pas au lac. Viens ici. Allez, viens. Allez! Regardez-moi comment il était têtu celui-là. Allez! Pas au lac! Allez, boubou! Minou, t'es archi motivé, qu'est-ce qu'il y a? Il marche si vite! Pas l'habitude, hein? Alors là, tu trouves ta solution tout seul. Bonjour. C'est bien. Oreo, là. At. Allez, c'est bien. File. Allez. Pourquoi ils ont fait ça? Moi, ça me convient pas du tout. Genre là-bas, ça me convenait pas. Et là, ça me convient pas non plus. Genre, la barrière, elle est trop proche. Ah, c'est bon. C'est bien. Arrête avec ça. Ok, voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il serait pas temps de trotter? Oreo, c'est bien. Ça va être du sable, ça va être mieux pour tes pieds, mon chat. Saphir, c'est des gens. Allez.
Fais pas ton insouciable. On a des calories d'herbe à dépenser, mais nous. Est-ce que vous voyez cette longue ligne droite là? Tu restes sur l'herbe, tu vas voir mes pieds. Oreo, prends de l'avance parce qu'avec ta mue, t'es fatigué toi. Allez, galop. On va pas faire du galop à fond la caisse. C'est un petit galop. Content de galoper lui. Attends. Allez Oreo! Ah, vu qu'il est en pleine mue, il est plus fatigué. Allez. Petit galop là. Mets-toi à droite un peu. Hop. Oui, très bien. Sans sauter dans tous les sens. C'est pour ça que je voulais pas t'emmener, Boubou. Je sais que là c'est dur pour toi. Que ça, là, il est en forme. Ah, j'avoue, celle-là, elle donne envie aussi. Mais j'ai pas envie de faire celle-là, Minou. Plus loin. Là. Il y a des chiens, c'est au pied, là. Bonjour. Viens ici. 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 Dépêche-toi, là. Là. Non. Bonjour. Là. Allez, file. Allez bien. Doucement. Oh. Ah bah tu vas aller là. Je m'en fous, tu choisis, mais... Ah, c'est Savir qui choisit où il va. Moi, je connais pas du tout cette balade. Tu veux galoper? Ah, il sait pas. Savir, ce trot, c'est pas possible. Oh. Soit un petit trot, soit un galop. Ok, un petit peu parce que ça a l'air trop bon. Cette herbe. Allez. Allez, Minouche. Pipi. T'aurais pu choisir une meilleure vue, ça. C'est pas la meilleure vue du monde, là, pour faire pipi. Ça mousse. Le cheval le moins pudique du monde, celui-ci. Oreo, il y a la route là. Oreo, tu attends. Allez, file. Moi, je ne sais pas où. Je vais dire, mais quel chien. Ça, il y a une branche juste au-dessus. Toi, tu t'en balèques. Pas moi. Savir, tu vas encore choisir les branches. Voilà, j'étais... Mais comme si je t'avais fait, hein. Du coup, t'as ça de coincé, maintenant. Raminou, t'es pas bien dans tes pieds, là. Vous allez voir l'endroit où je suis. C'est trop canon. Juste, pourquoi il y a une voiture, là, quoi. Mais je trouve ça trop beau ici. Hop. Wouhou, c'est bien. Ah oh. Voilà. Ah, c'est bien. Donc ça t'aura fait trempette. Oh bah Oreo. Allez mon chien, viens. Allez. Doucement, doucement.
Oh non, je sais pas si vous allez voir, mais regardez, il y a des cochons. Oh, ils sont trop mignons. Oh, je veux trop un cochon un jour. Un cochon et une vache. Putain, ça va être la ménagerie chez moi. Je trouve ça trop cool. Oh, puis il y a des chevaux. Mais en fait, voilà, moi je veux... Ah, tu l'avais pas vu. Moi, je l'avais pas vu. En fait, je veux trop une maison comme ça. Une maison avec ton pré et tes chevaux là. Je crois qu'ils ont une carrière derrière. Ah, il y a un Irish Cob. Ah, il y a deux Irish Cob. Coucou. Les poilus des pattes. Et encore un. Ah, l'autre, il doit être vieux. Ouf. L'autre, il doit être très très vieux. Et bonjour. Bonjour vous. Non, mais regardez-moi les moustaches. Qui l'a, celui-là? Non, mais attends, j'ai jamais vu ça. Faut que je fasse un Insta. Ok, j'ai jamais vu ça. Regardez-moi les moustaches qu'il a, lui. C'est un truc de malade. Oh, mon dieu. Ouf, toi, t'es pas dans un bel état, mon coco, hein. Oh là là, oh là là, oh là, j'ai mal au cœur. Bon, vu l'état des autres chevaux, je suppose que toi, ça fait pas longtemps que t'es là et que t'es très très vieux. Oh, ça me fait mal au cœur. Ça doit être en sauvetage peut-être, ou un cheval qui a été récupéré, parce que les trois autres, ils sont gras comme des loukoums. Tu veux trotter? Allez. Se calmer, Speedy Gonzalez, là. Je suis toute secouée là-haut. Comme un cocotier. Ah, je suis contente, il est en forme. Oh. Non, vous pouvez y aller juste au bout, il y a mon chien à moi, mais il est gentil aussi. Ah, il n'y a pas de souci. Non, non, il n'y a pas de problème. Doucement. Mais il est fou, hein. Ah non, mais Safia, fais pas ça derrière. Oh. Oh. Tu sais où est-ce qu'on arrive là, Minou? Au sulky. T'es en forme. Non. Non. Non ou pas? Pourquoi tu veux trotter et galoper tout le temps? C'est bien mignon. Voilà, à haut. Allez, c'est bien. Allez. T'as vu? Bon, du coup, ça y est, on est rentré de la balade. C'était trop cool. Mais il était en forme, ça m'a fatiguée. Par contre, il était un petit peu sensible des pieds. C'est vrai que là, il a les pieds secs et qu'il a été paré il n'y a pas très longtemps. Du coup, c'était un petit peu sensible sur les graviers. Par contre, tout ce qui est herbe, sable, pas de problème. Mais ouais, tout ce qui était cailloux et gravillons, là, aujourd'hui, c'était pas trop ça. Mais bon, c'est les aléas. Faudrait que je parle potentiellement à la podologue de prendre des... Comment ça s'appelle ? Ah, je sais plus. Prendre des hypo-sandales. J'avais plus du tout le mot. Donc ouais, faut que je vois ça avec elle. Parce qu'en fait jusqu'ici ça allait. Il était pas forcément sensible. Après là je le laisse aller là où il est le plus confortable. Donc à savoir sur les côtés. Et voilà. Ouais, du coup je vais arrêter la vidéo ici. Parce que bon bah vous connaissez hein, je vais le déceler, le rentrer. Et après c'est comme d'habitude. Donc je vais arrêter la vidéo là. Voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu cette petite sortie avec nous. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.